Pokémon! Oui, c'est Noël! Ça fait longtemps que je les ai, ces émotes de Noël, hein. J'avais complètement oublié. J'aurais pu demander à en faire d'autres, en fait. Hop. Ça, c'est pas très ratus. Merci Toscane pour le 13e mois, merci beaucoup. Par exemple, le Snoopy, Maître Goût de Noël. Ouais, il y en a pas mal que j'aurais pu ajouter quand même. Tout, 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 tout. Alors, où est-ce qu'on en était? Je crois m'en souvenir. J'avais capturé un Beaudrive pour Régie et on avait fait un échange où je lui avais filé l'armure du char Bambin pour faire évoluer mon char Bambin en Malvalam, qui est incroyablement stylé. Une beauté. C'est pas la beauté, franchement. Grosse. Et j'avais Ça, capturé c'est ça pas très aussi. ratus. Merci petite Aline pour le 17e mois. I got sick the week it came out and finished mine before everyone so I can talk to anyone about it. Ah. But you can watch the stream, Moon Lady. Mon shaker de protéines vient de m'échapper des mains, c'est un carnage dans ma chambre. Non, mais là, je pense qu'il faut juste que tu fermes la porte de ta chambre et que tu partes. Allez, viens, Poppy. Ouais, c'est toi. C'est toi, cette Poppy. Du coup, là, dans ma team, actuellement, j'ai Forgeret, Arboliva, Malvalam, Miascarade, Vrombi et Super Dauphin, sachant que Vrombi, il est là juste pour évoluer. Parce que je veux faire des équipes que avec des nouveaux Pokémon. Donc Vrombi est là juste pour évoluer. Et Forgeret aussi, mais je crois que je l'aime bien. Et du coup, je vais pouvoir... Alors, j'avais gardé Arboliva parce qu'en fait, je voulais aller dans l'arène haut. Mais en fait, c'est pas pour tout de suite. Là, il va falloir que d'abord que je traverse le désert. Donc, du coup, je vais mettre Arboliva de côté. Et je vais reprendre, genre, peau marmotte. Merci beaucoup, Benji, pour le subgift à Fourf. Merci. Merci, merci. Super Dauphin, le best, ouais. We missed you, Moon Lady. Coucou, Fafa. Ça, c'est pas très ratus. T'as vu ma team? Théma. Merci pour Dragon pour le 20e mois. Vas-y, moi, je vais juste prendre... Je vais juste reprendre mon pot marmotte. Avec moi. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait évoluer... l'espèce de Terra... Enfin, de Terra Cool, là. Ça me bute de rire. Regardez la dégaine de ce Pokémon. Juste un instant. Ah là, c'est une grosse team strat, ouais. En fait, je vais faire une team que avec des nouveaux Pokémon. Et du coup, j'alterne avec des Pokémon... Après, Super Dauphin, il est trop stylé. J'alterne avec des Pokémon... pour les faire évoluer, mais juste de la nouvelle génération, quoi. Pour le Pokédex et tout. Non mais regardez! Il est improbable, lui, non? Le bruit de son animation est folle. C'est littéralement Squid Game. Donc, tout ça pour dire que je vais remettre Miascarade à sa place. Et en vrai, Malvalam, vraiment stylé, hein, Malvalam. Hein. Juste, j'ai vu un Pokémon que j'ai pas capturé, là.
Ah non, j'ai cru. J'ai cru voir un thé froid, non? C'est quoi ici? Salto piqueur chelou? Ouais! Ouais, ouais, je l'ai. Ah, je t'ai pas, toi! Salut, bro! Je l'aime bien, lui. Il est cute. Vas-y, je vais pas le buter. Très bien. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il me met mal. T'as des petits shiny? Malheureusement, non, t'en as chopé, toi. Tu sais que je t'avais dit que quand j'avais joué... Tu sais, Guigui voulait juste me montrer sa partie sur Arceus. Et j'avais juste joué vite fait, genre 15 minutes, et je lui ai trouvé... deux shiny, je crois. J'en revenais pas. Merci pour le train de la hype, Toscan, Moonlady, Petite Aline, Pendragon, Benji, merci beaucoup. Ah, je t'avais pas dit? Ah putain, je pensais que je t'avais dit que j'avais trouvé des shiny sur la partie de Guigui. Genre, je crois que j'avais trouvé... Ouais, deux shiny, en fait. Un Luxio, je crois. Et un... je sais plus ce que c'était, le deuxième. Ton avis sur le nouveau jeu Pokémon? Je le trouve très bien, même si très moche. Je suis allée voir ta réaction face à l'Evo de Super Dauphin. J'adore. Ah, il est là, lui! Il provoque ses proies afin de les attirer dans d'étroites zones rocheuses, puis les étourdit avec son gaz toxique avant de les achever. Super. Bah écoute, je pense que Tritox est un Pokémon de confiance. Nice. Salut toi! Je l'aime trop lui. Je sais plus quelle génération il est. Soloshi. Ouais. 5G. Mais je l'aime bien lui, il est chou. Je pense que je vais le buter là. Merci Benji! Pour les 5 sub-gifts, merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Nice. Ah, je suis jamais allée là. Ça tombe bien, on papillonne pas assez dans ce jeu. Comme il ne voit rien, il examine les choses en les mâchouillant. Et s'il n'est pas habitué à quelqu'un, il peut le recouvrir de blessures. Super. Je crois que... Attends, Soloshi... Ouais, moi j'aime bien Trioxydre, on va le faire évoluer celui-là. Bon alors, Donald Trump, je l'ai... M'amène ici? Je t'ai combattu, toi? Mon application carte est devenue folle. Ah, c'est un étudiant, lui aussi? La carte ne cesse de tourner dans tous les sens sur mon application. À l'aide! Et à la fin, il va me dire, en fait, il faut que tu appuies sur le stick pour la laisser bloquer. Lucien, l'étudiant! On rappelle qu'il n'y a pas d'âge, hein. Ah ouais, d'accord, il est niveau 18 en fait. Très bien. Vous moquez pas, il a beaucoup redoublé. Bien sûr. Danse flamme. Wow. Attaque. On s'en fout un peu de danse flamme, hein. Ok, Lucien, l'étudiant à la balayette.
J'ai la tête qui tourne maintenant. Ah non, il nous dit même pas que pour bloquer la carte, faut appuyer sur le stick. Waouh, on se calme. Je t'avais chopé, toi. Faudrait que je te fasse évoluer. Ouais, je l'avais chopé, ouais. Merci à Motong pour le subgift à Calaminders. Merci beaucoup. Non, mais je croise pas de Shiny, de toute façon. Je suis pas chanceuse. Alors, dans Arceus, j'étais chanceuse, hein. C'est quoi? Ah, c'est un Voltorb, non? Le proviseur Clavel a une voix si douce lorsqu'il parle aux élèves. Ok, ça fait un peu peur. Je vais juste mettre ma table des types à côté de moi. Voilà. Elle a un crush sur le proviseur. À poil ! Merci Lascoui pour ce gift à Ratusine. Merci beaucoup. Apparemment, il y a un glitch avec le pique-nique pour avoir plus de chances de shiny. Ouais, mais moi, je fais pas de glitch. Je sais pas. J'ai l'impression de tricher. Ça, d'ailleurs, ce Pokémon Tissamboule était trop chou, mais Philanthrope pue un peu l'âme, hein, j'ai envie de vous dire. Où est mon terrestre? Où est mon bébou? Où est mon pref? Vas-y, je crois que je l'avais pas attrapé, donc ça me permettra de l'attraper. Oui, Philanthrope est immonde. Je suis le seul à trouver le proviseur un peu creepy. Bah, il essaye de s'intégrer tant bien que mal. C'est vrai que ça fait un peu de lui un creep, j'avoue. Je suis d'accord avec vous. Oh, je vais me faire un chocolat chaud après. J'ai trop envie de ça. Oh, Deden! Hein, je t'ai pas attrapé, toi! Jure, j'allais partir faire un chocolat chaud. En fait, j'ai retrouvé dans mes placards, vous savez, les espèces de bâtonnets de glace, et au bout, il y a un truc, et quand tu le mets dans le lait, ça fond et ça fait un chocolat chaud. Mais j'ai retrouvé ça, c'était ma tante qui m'en avait offert, mais je l'avais perdu, entre guillemets, dans mon placard. Je vais me faire ça, ça m'a trop donné envie. Oh, Benji! Merci beaucoup pour les 5 subgifts! À poil! Merci! Est-ce que t'as eu le temps de faire des raids Dracaufeu 6 étoiles? Non, pas du tout. Absolument pas, Fafa. Mais je crois qu'ils reviennent après, on m'a dit ça sur mon live. Je crois qu'ils reviennent. Elle est trop stylée par contre, ma dresseuse, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, le 15 et le 16, ouais. Je voulais faire des gaufres, j'ai oublié d'acheter du beurre aux courses tout à l'heure. Ah mais c'est vraiment... C'est vraiment l'histoire de ma vie où elle tinette d'oublier un truc méga important. Faire les courses, c'est comme ça que je me suis retrouvée sans PQ pendant 3-4 jours. C'est l'histoire de ma vie d'oublier des trucs méga importants en faisant les courses, quoi. Comment t'as fait? Vous voulez pas le savoir. Ils se déplacent en roulant, si le sol est cabossé, les chocs le font exploser. Je sais plus si je l'avais dans mon Pokédex ou pas. Non, bah du coup, j'ai pris ma douche plus que de raison, en fait, hein, c'est tout. Hein. Et j'ai piqué du PQ chez Lutie aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi je me déplace dans cet endroit, alors que je suis censée avancer. Mais je sais pas, c'est trop dur. L'exploration est vraiment... vraiment piégeuse, hein. Gilbert, l'ouvrier veut se battre. Très bien, Gilbert. J'ai 4 boîtes de salamèche, je pourrais en donner si vraiment s'il y a besoin. Merci Deto, c'est gentil, j'y penserai. Je pique du PQ au travail. Ah non, mais ça m'est déjà arrivé, évidemment, en fait. Évidemment que ça m'est arrivé. Enfin... moi aussi, genre, en panne de PQ à la maison, évidemment que je prends un rouleau de PQ au taf, en fait. Genre, arrêtez, ne me jetez pas la pierre, je pense que ça nous est tous arrivé. Hop.
tu sais pas où aller, tu peux demander à la dame qui soigne tes poké. Merci, c'est gentil, mais pour le coup, je sais où aller. C'est juste que... En fait, c'est moi qui papillonne trop, quoi. En fait, faut que j'aille au désert, là. J'en ai un peu marre d'avoir cette attaque de merde sur mon Pomarmotte. Y'a pas moyen d'avoir mieux, là. On pourrait pas aller check les CT pour voir ce que je peux apprendre à mon Pomarmotte, là. C'est pas assez fort, ça, hein. Doum, doum, doum. Salut Laurine. Le jeu serait beau, on n'avancerait pas du tout sur le jeu. Je suis sûre qu'on se baladerait tout le temps. Oui, c'est possible. Oh, des gens ont testé Horse Tales dans le chat ou pas? Pour voir si je me fais une petite session Horse Tales où on chevauche les plaines. Madame Mime, oui. Quand elle sera là, faudra que je lui demande. Je suis même pas fichue de faire un peu d'exercice correctement. Salut, beauté. Je t'ai ou pas, toi? Ok, je l'ai. J'aime trop ce nouveau Pokémon. Pokémon cochon, là, je le kiffe. Ah merde, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mesdames. Ok. J'ai pas de shiny, pourtant Dieu sait que je me balade. Hein. Bon, allez, on avance. Ça suffit les conneries. Oh, Maril. Je t'ai déjà battu, toi. Ouais, t'es la meuf un peu angoissée de la vie, non? Ouais, c'est ça. Vas-y, on se TP la dernière fois, c'est ça qu'on fallait faire. J'avais mis un point d'intérêt là, mais pas du tout ici. Ici. Donc il faut qu'on aille rendre son portefeuille à monsieur. À Porto Marinada. Et pour ce faire. Il faut que j'aille à. Ici. À Jaramanca. Je m'agrippe. Le chat, on guette bien s'il y a un shiny, on crie. Bah ouais, ouais, ouais. Son portefeuille a fait un long voyage avec moi. Hop, je vais soigner mes pokés. Est-ce que tu as déjà vu le dominant du désert? Non, je l'ai pas vu, je crois. Non, je l'ai pas vu. Absolument pas. Merci d'avoir attendu, votre équipe à retrouver la santé. À bientôt, à bientôt. Bah vas-y, hein, go. C'est parti. On va rendre le portefeuille au monsieur. On va essayer de pas trop papillonner, mais je vous garantis rien. En fait, c'est dur de passer devant un Pokémon que t'as pas capturé. Et de... Ben... Et de rien faire, quoi. Il faudrait un Pokémon acier ou poison. On peut pas l'ignorer, quoi. Mais de fou. Peut-être mon Tag-Tag. Il niveau combien, mon Tag-Tag? Tag-Tag. Oh non, mais c'est le Pokémon qu'on a attrapé tout à l'heure, lui, en fait. Pour reconnaître les shiny des nouveaux Pokés, ça va être rigolo. Ben ouais.
Après, bon, souvent, ils sont plusieurs, donc ça va, tu peux faire un peu la diff, mais... De toute façon, quand il y a un chat avec toi, c'est ok. Les gens hurlent. Ils disent, viens, Shiny! Moi, j'avoue, j'aimerais bien tomber sur un paume. Shiny. Ah, forgerette. Viens là, toi! Oh non, pas toi, l'autre. Viens là. Je l'aime trop, elle. Joyeux anniversaire, Godfather. Trop bien. C'est peut-être pas si mal que ça soit pas trop efficace, tu vois. Vas-y, il va pas la one-shot. Oh, parfait. Ah ! Mais non ! Jean Massier, merci pour le raid ! Bonsoir ! Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui parlent pour la première fois dans le chat. Bonsoir tout le monde. On est en train de jouer à Pokémon Écarlate. Sur Nintendo Switch, qui est le dernier Pokémon, c'est la 9e génération. Un jeu qui a été beaucoup critiqué hein, par sa technique horrible, qu'on se le dise. Mais qui est quand même l'un des meilleurs Pokémon en termes d'histoire pour le moment, je trouve. On a un peu des quêtes très libres, c'est très cool. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Jean pour le raid, c'est trop cool. Et du coup, j'espère que vous saurez vous amuser sur ce stream après avoir... vous avez parlé de quoi? Après avoir parlé politique. Ce Pokémon attaque des cohortes de Scalpion et de Scalproi pour rassembler le métal nécessaire à la confection d'un grand marteau robuste. Je vais prendre ma Forgella avec moi, du coup. Help, mon Pomote est niveau 55 et n'évolue toujours pas. Il est en permanence en dehors de sa bolle, mais rien n'y fait. Il y a un truc que je fais mal. En gros, pour Pomote... Il faut que tu te balades avec lui. Genre, va dans le centre-ville. Fais plein de pas avec lui. Et après, tu lui donnes un super bonbon. On disait qu'on était radin et dépressif. Ok, super. C'était les questions au gouvernement de l'Assemblée. Ouais. C'était intéressant, du coup. Il faudrait vraiment que je me mette à jour. Salut, salut tout le monde en tout cas. Nous, on joue à Pokémon ici. Et vous parliez aussi du cadeau de Noël. Moi, cadeau de Noël, j'en ai fait pas mal. Mais j'ai pas tout fait encore. Il m'en reste quelques-uns. Salut, toi. Je vais le one-shot, je pense. Je vais faire ça. Oh, quoique, on peut le buter, en fait. Je suis pas obligée de le capturer. Hein. Ça, c'est pas très ratus. Qu'est-ce que... Oh, c'est le Pokémon Bousier. Je le voulais. Merci, Marie, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Si je fais ça, ça va pas le one-shot, pareil. Ok, très bien. Je le voulais trop, justement, ce Pokémon. Vous m'aviez dit que son évolution était plutôt stylée, non? Non! Oh, putain, j'ai eu peur. Les boulets roux. Il va encore s'infliger des dégâts à lui-même. Dès que j'entends « Ok, très bien », j'entends direct après « Rappelle-moi ton prénom, Sébastien. » Moi aussi, ça me fait ça pour plein de trucs. Hein. Genre, ça me fait ça pour... et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ça me fait ça pour... pas assez... Bah, en gros, une dans... Attends. T'as pas la rêve de la manivelle?
Oh merci Godfather pour les 5 sub gifts, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est l'anniversaire de Godfather, mais c'est Godfather qui fait des cadeaux. Vous avez pas la rêve de « Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle !» Attends... Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Du coup, à chaque fois que je dis « Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle », ça me fait ça avec plein d'autres trucs, mais là, tout de suite, comme ça, j'arrive pas à vous les ressortir. Merci, un Noobiu, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. On se calme, Didi, on se calme. Il confectionne une boule de boue, un mélangeant de la terre, du sable et de l'énergie de type psy. À ses yeux, elle importe plus que sa propre vie. Cette boule de crotte, finalement. Je suis sur le stream de Le Bouzeux ou c'est comment? Pourquoi Le Bouzeux il écoute et moi pendant ce temps-là je tournais la manivelle? Ah parce que c'est un bousier. Ouais. La vanne est folle. Merci Picaboy pour le 18e mois, merci beaucoup. Oula oula. Oh. Oh bah tiens, j'aurais même pas besoin de le faire évoluer. Mais hé hey. Ah ouais. T'es un mec comme ça toi. Putain, il est niveau 40! Ok. Très bien. Ouais, je vais mettre une super bowl, hein. Ouais, moi aussi, j'ai cru que j'allais le buter, j'avoue. Parfait. Un de moins à faire évoluer pour le Pokédex. J'aimerais bien faire le Pokédex. Je trouve que depuis qu'on voit les Pokémon, je trouve que... Je sais pas, ça me donne envie de faire le Pokédex, quoi. Très bien. Tranche nuit. Le lanceur lacère la cible à la première occasion. Taux de critique élevé. On va mettre ça à la place de morsure. Bye, Kuro. Feu follet pour Malvalam. Malvalam est trop stylé par contre. Hein. La place de étonnement, je pense. Faut juste que j'aille me heal. Merci Dunaconda d'être là. Le Jean-Jacques Dalman non plus, je l'ai pas capturé. Toutes ces attaques crit à fond. Il va être trop fort. Cacnea. Ah. Sorry, mec. Hop. Thank you.
Ah, il en avait un, James, de Cacnéa. Si je fais ça, ça tue ou pas? Ça tue pas, regardez. Canon graine, ça tue pas. Ok. Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son attaque. Salut Lo. Oui, il y en avait un, et comme d'hab, James et ses Poké, c'est bébé et triste. J'ai pas trop de rêve de James et de ses Pokémon. Viens là, Jean-Jacques. Très bien. Gravité s'intensifie, c'est dangereux. Hein. En vrai, des Pokémon, c'est dangereux de fou. Ok. C'est ça que j'ai bien aimé dans Arceus. Le fait qu'on capte qu'en fait, des Pokémon, c'est méga dangereux, quoi, sur le papier. Que c'est imprévisible et tout. Ah, voilà. En fait, c'est méga dangereux parce que ça peut provoquer des espèces de catastrophes naturelles, genre. Les éléments rocheux qui constituent son corps correspondent à ceux qu'on trouve dans le sol d'une zone très éloignée de son habitat actuel. T'as des rapid balls. J'en ai chopé des gratos, tu sais, avec les récompenses de Pokédex. Et... Oula. Et... J'en ai chopé avec les récompenses de Pokédex, mais je les ai déjà toutes utilisées, et depuis, en boutique, j'en trouve plus, mais qu'est-ce que c'est que cette autruche? Mais c'est Faustine! Pourquoi cette autruche, elle a une... Elle a une coupe de Karen, je comprends pas. Salut Touridou. On dirait qu'elle va demander à voir le manager. C'est un nouveau Pokémon ? Ah ! Merde. Je m'attendais pas à ce que ça soit super efficace. Elle a une sous-évolution ou elle est directe comme ça ? Elle est prête pour le nouveau clip de Sia. Le lanceur invoque un mirage et inflige des dégâts égaux au niveau du lanceur. Il veut oublier bain de smog. Allez, vas-y. Elle a une sous-évolution. C'est l'évolution de Flotillon. Oh non, je l'ai buté. J'ai pas fait exprès. Oh, je suis dégoûtée. J'ai buté Faustine. Bon, vas-y, ça tue à chaque fois, donc faut que je mette... Ah, elle est là-bas, regardez, elle est là-bas. Elle est là-bas. Viens là, Faustine. Elle est marrante, en vrai. Si je fais canon graine, ça tue pas. Si je fais magie florale, ça tue pas. Regardez. Voilà, ça crit. Non, mais j'ai pas dit que je l'aimais pas, hein. Elle est marrante. Elle a des couleurs un peu improbables, je trouve.
Ok. Salut Aquaspells. Merci pour le 27e mois. Salut Tikanis. Forgella veut apprendre souplesse. Voulez-vous qu'il oublie une capacité pour apprendre souplesse? Le lanceur utilise l'un de ses membres tel qu'une queue ou une liane pour infliger des dégâts à la cible. On s'en fout un peu Ouais. Est-ce que je suis la suggestion? Allez, vas-y, je remplace Doux Baiser. Ce Pokémon immobilise ses adversaires grâce à l'énergie psychique qui émane de ses grands yeux. Il y est beaucoup plus violent qu'il n'en a l'air. La nature de Forgella a pas l'air folle. Ah bon, pourquoi? Ah ouais, c'est vraiment l'évolution de Flotillon. Et ça évolue encore ou pas? Toi, là, je t'ai combattu? Et si on s'amusait un moment en faisant un combat Pokémon? Oui, en plus, je suis low life. Parfait. Nadia. Merde! Non, j'ai quand même peut-être pas overreact et me terra cristalliser. Salut Loupiote! Qu'est-ce qu'il appelle là? Qu'est-ce qu'elle appelle? C'est vipère. Je sais même pas ce que c'est vipère. On va spammer bêtement magie florale. Hein. C'est pas très efficace. Ça, c'est pas très ratus. Elle est partie, Poppy. Elle a encore. Poppy dans ma team ou Poppy? Oh! Miescarade a guéri de sa paralysie. Je reviens, abst. C'est poison. D'accord. Ça, c'est pas très ratus. Merci Loupiote. Merci beaucoup pour le 5e mois d'abonnement, merci. Un Amacel. Est-ce que c'est pas le moment de faire venir Super Dauphin? De toute façon, on peut pas vraiment le faire venir parce que faudrait que je fasse le au revoir. J'aime bien ce Pokémon en vrai. Ah, je pensais que j'allais le one-shot. Ton équipe est si mignonne. Bah, en fait, oui. Mais c'est même pas fait exprès parce que... Comment dire? Il y a beaucoup de Pokémon que j'ai mis dans ma team, genre comme Vrombi. Juste, je veux le faire évoluer, en fait. Bah, en fait, oui. Vas-y, Vrombi! Gyroball! Et la masse à l'ennemi est KO! Et on n'a pas pu faire revenir Super Dauphin. Merci, je me suis bien amusée. Bah, de rien. Aucun souci. Hein. Vraiment, c'est mon plaisir. Je vais juste me heal. Et repartir. Combien de fois je vais faire ça, je ne sais pas. Je t'ai battu, toi. Bah, tant que je suis là, j'ai toujours pas validé toutes les matières. J'espère que j'aurai bientôt mon diplôme. J'espère pour toi aussi, gars. Parce que là... Il serait temps, quoi. Yo! Imagine, tu travailles chill dans un centre Pokémon et là, il y a une meuf à dos de Coraidon qui arrive. À toute berzingue. J'ai peut-être remplacé mon Miascarade par un autre Pokémon pour justement entraîner un peu ma team, enfin faire évoluer certains Poké et tout, parce que là, il y a juste Vrombi et Forgella.
Forgella, elle a encore une évolution ou pas? Je vais mettre les boulets roux avec moi. On voulait regarder les CT pour peau marmotte. Ouais, c'est vrai. Alors, dites-moi, parce que je trouve que... ce que j'ai donné à peau marmotte en attaque combat, c'est pas assez fort. Du coup, est-ce que vous me conseillez... J'ai juste... Ah mais non, mais j'ai juste balayage. Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. Sinon, il n'y a que des trucs que je sais même pas ce que c'est. Je peux même pas faire une CT. Et qu'est-ce que j'ai avec moi? Faut faire 1000 pas avec les boulets roux. Ah, ok. Vas-y, on va le faire alors. J'ai juste balayette. Ah mais c'est déjà... Attends. Peau marmotte, il est... Attaque. Et il a cogne. Merci Monody pour le raid, bienvenue. On est en train de jouer à Pokémon Écarlate, vous faisiez quoi de beau? Casse-brique c'est 75 et c'est attaque. Et cogne c'est 15. Ça, donc rien à voir quoi, c'est mieux de mettre casse-brique. Le rat est comblé. Merci Sparky Berry pour le 4ème mois et merci Monody pour le raid, merci. Ah vous étiez sur Echo? Vous faisiez quoi de beau? Mais oui, 15, je disais, c'est vraiment pas fin, c'est vraiment faible, quoi. Il a pas balayette de base? Ben, on dirait pas. Bah ben, là, j'ai balayette, si jamais. Ah, mais c'est peut-être... Ah, c'est peut-être mieux. Ah non, c'est moins fort. Après, balayette, ça diminue la vitesse, quoi. Mais casse-brique, c'est 75, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal, Echo. Je me suis un petit peu renseignée sur le jeu, ça a l'air cool. Oula. Pine de Cacnéa. Ah, mais j'étais pas toi. Le lock est vraiment insupportable hein, pour voir si j'ai capturé ou pas le Pokémon. Donc ouais, bienvenue, on est sur Pokémon Épée, hein, tout simplement. Pokémon Épée, Pokémon Écarlate. Tu l'as acheté où ton sac? C'est pas le sac à dos de base ça, ce que j'ai? Je crois que c'est le sac à dos de base, non? Ça va pas? Ça marche, Monody, des bisous. Je veux pas le buter en fait. Super dauphin! Bah ouais, mais non, il est... Je crois que c'est celui qu'on a de base, hein. Pour mon sac. J'ai pas envie de le buter, hein. Normalement, comme ça, je le bute pas. Ah oui, en effet, je le bute pas du tout, même. C'est pas le même entre les versions. Si t'as violet et que tu n'as pas celui-là, j'imagine que oui. Et ça tue ou pas? Non. Doucement. Il est ouf avec mon pot marmotte.
Bim. Et un de plus. Ça, c'est XP, hein. Sa peau est si dure qu'une collision avec une voiture le laisserait indifférent. En revanche, il est extrêmement sensible à la pluie. J'aurais bien voulu un petit haul. Bah, de toute façon, j'ai rien. Enfin, genre... Oh, mais c'est bien fait, j'ai du sable sur ma tenue. Enfin, c'est de la merde, en fait. J'achète pas de trucs. Le seul truc que j'ai acheté en boutique, c'est... Le seul truc que j'ai acheté en boutique, c'est mes chaussettes. Mais en fait, je trouve que c'est de la merde, en fait. Je trouve que dans cet opus, les boutiques, c'est de la merde. Parce qu'en fait, tu peux changer tout sauf ton uniforme. Sauf que l'uniforme, il est littéralement orange, blanc et bleu. Du coup, si j'ai envie de mettre des chaussettes roses, ben en fait, juste, c'est horrible. Donc là, j'ai changé mes chaussettes. J'ai mis les chaussettes que vous voyez là. Et j'ai mis des... Et j'ai mis mes gants, là, que j'ai trouvé dans cette ville. Mais en fait, enfin... Moi, je trouve qu'à cause de l'uniforme qu'on peut pas bouger, la customisation de notre personnage est vraiment très très limitée, quoi. Enfin, en tout cas, de ses vêtements, quoi. Et en plus, il faut faire tous les boutiques de la ville. Et il faut à chaque fois attendre le lag de chaque vêtement pour la prévisualisation. Je trouve ça vraiment lent et fastidieux. Donc, t'as le choix entre 4 uniformes, mais c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. Non, moi, je trouve ça nul, parce que, en fait, tu pourras jamais mettre des trucs violets, des trucs verts, des trucs... Parce qu'en fait, ça va pas, on a déjà beaucoup trop de couleurs, quoi. C'est... Je sais pas. Et en plus, moi, avec la coupe que j'ai, je peux même pas mettre de chapeau, donc vous voyez. Ah. Hé, hey, Ultia! Il paraît que le dominant tremble-terre est quelque part dans ce désert. Il y a des secousses depuis tout à l'heure, ça me file la nausée. Tu m'excuseras, mais je vais me reposer un peu avant de reprendre les recherches. Bon, vous m'aviez dit qu'ici, c'était peut-être un peu tôt pour aller au dominant. Je crois. Je peux seulement... Hop. Bon après j'ai jamais eu de mal à faire un seul Pokémon dominant pour le moment, mais je les ai un peu fait dans l'ordre aussi, c'est peut-être pour ça. Et c'est pas mal. Ah merde, sur quoi j'ai marché? Ah, dans la merde, hein, littéralement. Ah, bataille de boulets. Vous pensez qu'il le tue? Ok. Waouh. OMG. Je crois que je vais gagner. Trop fort. Son premier combat, je suis fière de lui. C'est là-bas. YOLO. Oh, Girafarig. Me montre pas ton cul. Salut Nocinou. Mais... Oui. Salut Manette, merci pour le deuxième mois.
League. What? Surprise. Trop bien en vrai. Le petit malin. Il va le buter. Non, non, mais arrête. Ok. Ok, c'est très bien. En vrai, tue-moi, comme ça, on en finit cette bataille de roulade. Vie 23... Pourquoi vous dites que c'est le fail? Quoi, vous pensez que je vais pas réussir à le capturer? Oh! Putain! Je vais pouvoir faire des bébés si j'ai un métamorphe! Quoi? Il va me mettre chaos, gros bâtard. Malbalam, non. Pourquoi? Ça, c'est pourquoi pas toi? Ouais, je vais griller l'hyper. T4. T4. C'est le Mavalam de Pokémon Violet, Warrel. Let's go! Ouais, et pour Métamorph, allez, allez! Il excelle dans l'art de la métamorphose, mais si on le fait rire, il ne pourra rester déguisé. Salut Kyuxen! Comment ça va? Ouais, j'ai un métamorph! Je suis trop contente! C'est rare ou pas? Non. Ah, ok. Les pauvres, ils me font trop de la peine. Ouais, ça va super, merci. Bon, ça, c'est un girafaring ou un métamorphe? Ah, c'est un girafaring. Quoi? Mais... mais pourquoi? Mais Kyuxen! Mais merci pour les 5 sub-gifts. Merci beaucoup. À poil. À poil pour la peine. C'est de la merde. Merci, hein, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Elodia, Eloise, Seed Spacer, Elwing, Sleepy Tomio. Merci, merci beaucoup. Pas à poil, il fait trop froid. Oh, chocolat chaud. Vas-y, je vous laisse dans ce combat infini, je me fais un chocolat chaud.
c'est en train de chauffer, mais en fait, c'est pas comme le café. Je peux pas juste laisser revenir. Faut que je touille. On peut même pas chanter Last Christmas. Ça va, c'est parce que je savais que j'allais revenir vite. Merci à Kimitsu pour le 8e mois de Prime. Merci beaucoup. Bon, Kyuxen, t'as continué Pokémon ou pas? Un truc minime mais agaçant dans ce jeu, c'est quand tu utilises un objet de soin, tu dois sélectionner l'objet pour en utiliser un autre, pour un autre Pokémon. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Bon, c'était rare ou pas le métamorphe alors? Vous m'avez pas dit. Voilà pourquoi j'ai pas mis Last Christmas. Ouais, je suis en cours de remplissage du Pokédex, mais beaucoup de révisions en ce moment. Ça travaille dur. Et c'est cool ou c'est dur, là, tes révisions et tout? Let's go! Ça, c'est pas très ratus. Très bien, j'ai un Girafarig. Je sais que maintenant, on peut le faire évoluer comme le Unso Lourdeau, donc faudra que je fasse ça. Faudra qu'on fasse ça. Toi, je t'ai pas non plus, Mouflair. Moufouette. Révision, le mot qui fait presque aussi peur que livrable. livrable, ça te fait plus peur que révision, Lutti? N'importe quoi. J'ai le cerveau dans le même état que ton chocolat chaud, c'est dense, mais c'est très cool. Attends, vas-y, je vais touiller, j'arrive. Bon, ça chauffe. Dans le même état que ton chocolat. Pourquoi livrable, ça fait peur? Mais je pense qu'en fait, Lutti, il parle de... Lutti, il parle de quand on a une OP, en gros, on nous donne la liste des livrables. En fait, a.k.a. Tu vois, genre, par exemple, pour... Oh... Pour le live, je sais pas, ma dernière OP, c'était quoi? C'était le live Dark Pictures. Pour le live Dark Pictures, je devais faire un tweet et... Je devais faire un tweet et le live plus une vidéo. Donc c'est ma liste de livrables, quoi. Salut Maxime! Tu peux faire la point d'exclamation t'en es où? C'est marqué dans le titre et comme ça, t'as toute mon aventure. C'est 3 badges, 3 épices secrètes, 3 leaders de la Team Star et là, je me dirige vers l'arène de type O. Donc en vrai, ça va, genre... Nous, c'est différent. Ah, merci Xistal pour les 10 subgifts. Mais à poil. Bienvenue tout le monde. Nous, c'est différent. Genre, les révisions. Genre, il n'y a rien de pire que des révisions. Bon, attends, il est quoi, lui, ce bouffe? Ténèbres ou spectre? Merci Xistal, merci beaucoup. Poison, ténèbres. Ou juste poison? Le but pas. En fait, il me faut des rapid balls. Mais ouais, non, il y a rien de pire que les révisions. Nous, streamers, franchement, les livrables, ça va... En vrai, vous savez qu'au début, mes premières OP, je stressais des OP. Genre, je sais pas pourquoi ça me stressait, parce que je me disais qu'en fait, il fallait que je fasse des trucs différents. Alors qu'en vrai, c'est rien.
Mais vas-y, je vais juste me heal, je pense. Et après, je reviendrai t'attraper. Ah, salut toi! Bah tiens, justement, je voulais me heal. J'ai fait de bonnes affaires au marché. Le problème, c'est que je n'arriverai jamais à tout manger, alors voilà pour toi. Filet frit, salade de patates, mayonnaise. C'est amusant de pique-niquer avec des amis. Si tout le monde apporte des ingrédients, vous pouvez créer des recettes vraiment originales. Attention, la route est plutôt difficile. Si tu vas par là, tu devrais te reposer. Eh bien, avec grand plaisir. Mais ouais, avant je stressais quand j'avais une OP. Maintenant, ils ok. Mais après, l'outil, c'est un peu différent parce que l'outil, comme toi, tu fais des chansons et tout. Les livrables, c'est plus stressant que moi dans le sens où, genre moi, en général, mes OP, j'ai rien à faire si ce n'est jouer. Tu vois, genre la dernière OP qui m'a stressée, c'était l'OP avec Sanoflore parce que ça sortait un peu du quotidien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va faire naturel? Est-ce que ça fait pas téléachat de montrer comme ça des produits de beauté et de dire... Enfin, tu vois, je voulais pas que ça fasse nul. Et donc, ça a été vraiment le truc, la dernière OP qui était un peu stressante, tu vois. Mais... À part ça, en vrai, maintenant, ça me stresse plus, quoi. Mais je pense que l'outil, c'est un peu différent parce que vu qu'il fait beaucoup des musiques, des trucs comme ça... Pff, bah, en fait, il y a une très, très grosse part de créativité. Alors que moi, streameuse, ça change pas mon quotidien que de faire un tweet avec marqué hashtag sponsor dessus, tu vois. C'est juste, faut vérifier que tout soit bien avant de lancer le live. Mais bon, sinon, à part ça, c'est pas très stressant, quoi. Tu imagines, je me lève à 5h45 tous les jours, alors que je me couchais à 7h du mat tous les jours, il y a un mois. Tu dois être vanné, mon pauvre. Mais ouais, mais ça va être cool, en vrai. C'est cool que tu révises et tout pour ça, genre, ça va être trop bien. Mais t'es courageux, GG. Trop hâte de voir une OP avec Heinz. Il faudra un live cuisine avec des pâtes au cas. J'ai beau être casanier, je n'ai pas pu résister à l'envie d'observer cet endroit magnifique. Vas-y, je vais remuer. J'arrive pour pas que ça crame. Et voilà. Tarek, le scientifique, veut se battre. Le changement pique beaucoup, surtout quand tu dois gratter la voiture le matin. Oh, le seum de gratter la voiture le matin. J'ai jamais eu à le faire. Hein. C'est ça, moi, la seule fois où j'ai eu la voiture, c'était quand j'étais à Nice. Du coup, fort heureusement, je n'ai jamais eu à gratter ma caisse le matin. Parce que ça ne gèle pas. Emma, je suis refaite du chocolat chaud, putain, ça faisait longtemps que je l'avais en plus ce truc. Déjà, c'est le meilleur mug qui existe. Monte le choco, je monte, attends. Le meilleur mug qui existe, mon mug Aurore, avec marqué Sweet as a Rose. Et du coup, faut faire fondre ça dedans, quoi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de lait quand même. Je pense qu'il y a un peu beaucoup de lait. Par rapport... comme c'est une grande tasse, je l'ai remplie, quoi. Faux, c'est le mug gratus. Ouais, mais le mug gratus, je suis pas objective. C'est un mug qui me représente, tu vois. Là, on parle de horreur, quand même. Mais ouais, je pense que j'ai utilisé un peu un trop grand mug. J'ai mis trop de lait, quoi. Hop. Bon alors, Tarek. Avec sa cravate Pikachu, là. Un petit l'énergie. J'adore ce Pokémon. Qu'est-ce qu'il a, le Tauros, là-bas? Putain, la caméra est vraiment aux fraises. Hein. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont stressants. Franchement... Ils sont méga stressants, non?
Luciole, t'as supprimé un message sans faire exprès? À la seconde où le combat est fini, t'es fichu! Vas-y, je vais essayer de jouer avec les boulets roux, là. Ça fera pas très fort, hein. J'ai peut-être ajouté un peu de chocolat en poudre parce que... Vendredi, les petites carottes. Je pense que ça va être très très long. Du coup, on va faire venir quelqu'un d'autre. Démonte-le! Voilà, ça qu'on veut. Il a l'avantage, il est en haut. Ah, c'est tout. Nitro charge. Ouais. C'est mieux que Flamèche. Très bien. Peau marmotte est craquée. Je l'aime trop en plus. C'est splendide. Merci, bro. Bon, je veux elle. Chou. Salut, toi, beauté divine. Quand je te vois, je me débine. Ça compte? C'est une grotte? Je viens de la capturer en plus. Enfin, je viens de la prendre. Bingo. Oula, oula, oula. Ok. À l'aide de leurs grandes oreilles, ces Pokémon émettent des ultrasons pour trouver des fruits. Ils prennent les verpommes pour de la nourriture. Il peut poser problème, du coup. Petite Sonistrel. J'ai un Meditica ici. Mais je crois que j'ai déjà un Meditica. Tu vois, c'est... Ah non, je l'ai pas. On n'a rien vu, le jeu est beau et ne bug pas, bien sûr. Bug pas, le jeu. Pas mal. Ok. Meditica ne rate jamais une séance de yoga. Il augmente sa force intérieure par la méditation. C'est un peu moi, quoi. Ne rate jamais une séance de yoga. Bon, c'est pas du tout par là que je dois aller, hein, de base. Vous en conviendrez. Magnifique violet. Oh! What the fuck, les amis? Un Karmash. Non, oh, c'était un peu idéaliste de penser qu'il allait rentrer dans la boule! Waouh! Te calme. Je veux pas le buter, en fait. C'est quoi Karmash déjà? Dragon et... Et sol? Donc c'est glace dragon fée qui est très fort.
feu poison roche électrique, c'est très faible. J'ai 7 niveaux au-dessus. Attaque éclair, c'est 40 de puissance. Je pense que je peux l'affaiblir avec ça. Ah non, ça l'affecte pas en fait, je suis trop conne. C'est pas que c'est une attaque qui est pas forte, c'est que ça ne l'affecte pas, excusez-moi. Bah peut-être du coup... En vrai, je peux pas le buter. Non mais je peux pas le buter en vrai. Parfait. Ça nous met Yimbe. Des bisous, Kuxen. Merci beaucoup d'être resté. Mais il saoule, j'ai utilisé une hyperbole. Je sais plus combien j'en ai capturé, mais j'en ai capturé pas mal en vrai. Ouais, je crois que je l'ai déjà... mais je le vois là derrière, je le vois grignote. Il est sérieux. Ça n'hésite même pas quoi. Vas-y. Oh non! Putain, j'ai cru que t'allais avoir raison, Joki. Vas-y, rentre dans la boule! Il se fout de ma gueule? J'ai pas Thérèse pour l'endormir en fait. Je peux rien faire. Yes! Let's go! Trop bien. OMG, j'ai trop hâte du Ponce la Switch de demain. Moi aussi, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai Karmache. Pas besoin de faire évoluer Grignote. Ah, je pensais que je l'avais capturé, le Grignote. Viens là. Les nouvelles maps. Ouais, grave. Trop hâte. Vas-y, je l'attends. Il est à 20h, les petites carottes, le Ponce la Switch. Pompon qui m'a proposé de faire du Splatoon avant le Ponce la Switch, mais en vrai, je le ferai pas, parce que le peu de fois où j'ai live avant les Ponce la Switch, ça m'a toujours desservi, donc... Donc ouais. Tu lances à 20h ou un peu avant? Un peu avant. Je pense que je one-shot pas avec ça. Très bien. Je tue pas là, non? Avec Éclatroc. Ah, il a évité. Il évite tout. Normal qu'il évite. Ok. Waouh, il fallait pas plus, hein. Ouais, parce qu'en fait, d'habitude, vu que les Ponce la Switch, c'est le vendredi soir... Habituellement, je live quand même la journée, mais à chaque fois, j'étais morte de fatigue, quoi. C'était vraiment une idée de merde.
Du coup, Pompon, il m'a proposé de faire du Splatoon, mais je pense pas. Vas-y, il saoule. Il peut pas être plus faible que ça, quoi. Juste être genre paralysé. Let's go! J'ai attrapé Grignotte. Très bien. Merci pour le GG. Il attend qu'une proie passe pour bondir hors de son trou et la croquer. Dans son élan, il se casse parfois les dents. Il est trop mignon, lui, je l'adore. Ça aurait pu être un starter, hein, Grignotte, en vrai. Bon. Dirigeons-nous. On ira là plus tard. Dirigeons-nous vers notre point de chute. Je peux me heal ou pas? Encore. Le portefeuille se balade. Oui. Le pauvre, il a le temps de revenir 4 fois du marché avant que je lui redonne son portefeuille. Hein. En même temps, c'est une sacrée nouvelle zone, quoi. Voilà. T'es là, mec. Il est sur le point de rentrer chez lui, le pauvre. Waouh, regardez-vous comme vous êtes jolie. Par là qui? Les tempêtes du bord de mer ont beau vous mener la vie dure, vous tenez bon. Je crois que j'ai jamais vu de fleurs aussi parfaites que vous. Eh. Bon, direction le marché. Elle est toujours pas arrivée au marché? Attends, mec. Non mais vas-y, impose-toi, interpelle-le, quoi. Même pas capable de s'imposer. Tu sais ce que ça veut dire, toi, Asroll? J'y pense tellement que ça m'empêche de dormir. Asroll? Kenneth. Je sais plus s'il évolue, Bacabou. Ah oui, faudra qu'on le fasse évoluer aussi, lui, du coup. Je suis morte, t'as toujours pas fait la reine. Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles, Joki. Absolument pas. Je l'ai faite, la reine. J'ai fait toutes les arènes. J'ai tout fait. Je suis désolée, je sais pas comment ils vont. Je sais pas comment ils font vos potes streamers. Je sais pas comment ils font vos potes streamers pour speedrun le jeu, genre. Oh, la texture, elle est intéressante de forger là. J'ai pas de potes streamers. Non, mais je sais pas, moi je m'arrête tout le temps en fait. Pompon, il me dit, t'es pas frustré vu que t'as des zones qui sont inaccessibles? Je pense qu'il passe, il parle du fait que j'ai toujours pas fait les Pokémon dominants. Je lui dis, bah, frustré de quoi? J'ai déjà 10 milliards de zones à affronter, en fait. J'ai pas de pote tout court. Il joue 10 heures par jour. C'est vrai, t'as raison. La dernière fois que j'ai combattu contre ce Pokémon, il était méga fort.
Ok. Ouais, il avait l'avantage du type. T'as raison, Walken. Propos qui demande pourquoi t'as pas speedrun, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charrue avant la grand-mère. Et voilà Kenneth à la balayette. Je me suis battue comme une casserole. Oula, oula, madame. Je sais pas combien de CT champ herbu je trouve par terre, mais alors là, je pense que tous mes Pokémon vont pouvoir la prendre. Tu prendrais ma place ? La place de quoi ? Je te trouve un peu intimidant. Si je gagne, tu feras mes livraisons à ma place, d'accord ? Bah, tu peux te brosser, mon cher. Walter, le livreur, veut se battre et il envoie un Furéglon. En vrai, ce nom de Pokémon m'écœure un peu, j'avoue. Ça me fait penser à Furoncle. C'est difficile de passer outre le fait de savoir que ça me fait penser à ce nom. Castiel be like. Bim ! Ok. En fait, quand je vois ce Pokémon, quand je vois l'Éboulérou en train de faire roulade, j'ai quand même des PTSD de la Reine de Blanche avec son nez crémeux. Hein. Je suis désolée, mais... Je pense que c'est vraiment un de mes traumatismes d'enfance. C'était trop beau pour être vrai. Allez, viens. Ramène ta ronde. Ah, pourquoi lui, il a mis du rouge à lèvres ? Non, c'est pas un shiny. Quoi ? Non, c'est pas un shiny, c'est une de ses formes à la con, là. Je veux bien le choper, mais son pote me dégomme, là. C'est grave rare d'avoir des formes. Ah ouais ? Et ben voilà. Super. Dauphin. Moi, je le capture, il est beau quand même. Mais dauphin est niveau 40 en fait, il faut qu'il s'arrête au bout d'un moment. Faut que je le range dans mes boîtes en fait, faut que j'XP les autres Pokémon, non? J'ai peur de le one-shot, hein. Peut-être coup double. Encore. Super, dauphin! Parce que c'est... Super, dauphin! C'est rare d'avoir des formes. Non, mais moi aussi, j'y ai pensé. Je me suis dit, qu'est-ce que je raconte? C'est un avion, c'est un oiseau ? Non ! C'est un super dauphin ! Salut Arjab ! Ah !
Ça suffit. On arrête. Non ! Une baseball ! C'est une bonne idée. Je vais l'utiliser si celle-ci ne marche pas. La vitesse de Super Dauphin ne peut plus baisser. Bon, allez. Bingo. Trop bon mon chocolat chaud, en tout cas, sachez-le. Ces cornes atteignent les 1000 degrés! Lorsqu'elles sont chauffées par énergie incandescente, elles infligent blessures et brûlures à ses adversaires. Gros BG. Attends, mais elle lui a vraiment installé une selle? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. T'as mis du miel? Non, j'ai pas mis de miel, j'aurais dû. Ok. J'ai juste rangé Super Dauphin parce qu'il est trop cheaté, c'est abusé. J'adore me faire des vrais chocolats avec de la tablette fondue dans du lait végétal. Oui, c'est de la frappe. Là, c'était un chocolat, tu sais, genre un truc, le comptoir de Mathilde, c'est une cuillère avec un bloc choco au bout. C'est le chocolat espagnol là, comment ça s'appelle? T'as vraiment l'impression de juste boire une tablette de chocolat fondu quoi. Bon, Super Dauphin au repos parce que t'es trop fort. Qui est-ce qu'on pourrait faire venir dans la team pour faire évoluer? Bon, mon Malvalam, il est là juste parce que j'ai envie de le faire un peu XP au cas où si je dois en avoir besoin. Vous voyez pas de quoi je veux parler? Quand je vous parle du chocolat... espagnol. Ou argentin, tu sais, genre... Ouais! Ouais, ce qui est avec les churros, c'est ça! C'est une espèce de sauce chocolat! Ça a pas de nom, c'est ça? Ça a peut-être pas de nom. Mais en gros, ouais, c'est du chocolat... comme du... Paladin? Chocolate Conchuros. Ça va, Sro? Je sais pas, mais c'est trop bon. En fait, il y a un Argentin qui a ouvert pas très loin de chez moi. Et du coup, la dernière fois, j'ai commandé des empanadas. Et en fait, il y avait des empanadas au chocolat, là. Pff, c'était de la frappe. C'était de la frappe, ma mène. Incroyable. J'ai jamais été fan des sauces choco, alors que j'adore le chocolat à moi, franchement. Mais... En fait, je suis accro au chocolat, c'est ça mon problème. Putain, il était 26, Trio Pico. Je l'ai à peine joué pourtant. Je vis en Espagne, je vois pas ce que c'est. Ben mince alors. Mais on demandera à Anxon tout à l'heure. Peut-être que je confonds, peut-être que c'est pas ce pays-là, mais il me semblait. Il fait bien chaud chez moi là, c'est abusé, je vais baisser mon chauffage, c'est pas possible. J'ai même pas besoin de mon plaid sur mes genoux. C'est pas italien? Non, je crois pas. Attends, je vais regarder. Super l'énergie. Bah après, il est à 18, mon chauffage. Attends, je vais aller sur Uber Eats. Dans la chambre, il est à 17,5. Et ici, je crois qu'il est à 18, hein, mais je sais pas. Ça, je crois que c'est le PC qui chauffe bien aussi.
Non, non, mais moi, je suis une grosse radine, hein. Genre, dans ma salle de bain, par exemple, il fait glacial parce que je mets pas le chauffage. Dessert. Ça, c'est pas très ratus. Le chocolat de Saint-Domingue. C'était à ça, en fait, l'empanadas. Pff, c'était incroyable. Par contre, je me demande le nombre de calories qu'il y avait là-dedans. Mais en fait, c'est pas de ça dont je parle. Ah, il n'y a pas de nom de spécial, c'est juste un chocolat chaud. Je crois que c'est ça, hein, Doodle, t'as raison. Il n'y a pas de nom spécial, en fait. Hein. Salut Nordax, merci pour le sub, merci beaucoup. Qui je mets dans ma team a évolué. Que de la nouvelle génération, hein. Ça, c'est quoi, ça, là, les pilonies, déjà? Ok, il est pas nouveau, lui. Ah, mais oui, c'est lui qui devient Prismillon, je suis con. Ah oui, le cube de sel. C'est par les niveaux, le cube de sel? Ratus, on l'a fait évoluer. Armacel, c'est une bonne idée. Et Karen, elle peut évoluer ou pas? Ou c'est la dernière? Ou Grodong? Ah oui, Grodong aussi. Ah oui, il y a Férosinge qui finit par une évolution nouvelle. Il y a aussi... Oula! Comment il s'appelle? Il y a aussi Insolourdo et Girafarig, en fait. Et toi, je t'ai pas. J'ai envie de faire pipi, je reviens tout de suite. Salut Namek, bienvenue sur le live. Verpam aussi, nouvelle évolution? Je l'ai pas, Étourvol. J'arrive. Pause pipi.